L'infographie de la Seconde Guerre mondiale qui vient de paraître chez Perrin, c'est un travail confié à quatre personnes, donc trois historiens, Nicolas Aubin, Vincent Bernard et moi-même, et un data designer, hein, c'est pas un mot très, très heureux, mais c'est un graphiste spécialisé dans le traitement des masses de données. Ce travail s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale, que nous avons découpé en 53 thèmes différents. Alors des thèmes qui sont dans le domaine de la politique, de la démographie, de l'économie, de l'industrie, de la technique, bien évidemment des opérations et des campagnes, du matériel militaire, les flottes de combat, les flottes aériennes, la guerre sous-marine, enfin tous les aspects de la Seconde Guerre mondiale, aussi variés que possible, les pertes, les prisonniers, la déportation, la Shoah. Tout a été pour nous l'occasion pendant trois années d'aller rechercher dans les meilleures sources des dizaines de milliers de données. Des données qui sont souvent des données numériques que nous avons compilées et que nous avons confiées à ce spécialiste, Nicolas Guira, dont le métier est de visualiser ces grandeurs. Alors c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'établir des comparaisons dans le temps, chronologiques, et des comparaisons entre pays, des comparaisons internationales. Et on peut même les croiser ces trois types de données dans un seul data. Alors la forme des data elle-même est infiniment variée. Alors c'est toujours embêtant d'en parler sans le montrer. Mais voilà, si on montrait le bouquin, on s'apercevrait qu'en effet, les formes qui naissent de l'imagination du graphique et qui sont au service du contenu sont quasiment infinies. C'est pas que le bon vieux camembert classique. On va bien au-delà. C'est pour tous les publics, mais il est évident qu'on est dans un monde visuel qui va sans doute être plus facile d'abord pour les plus jeunes générations. Parce que le data design est un ensemble de techniques graphiques qui a surtout été utilisé dans le domaine de la publicité et du marketing. Donc c'est quelque chose qui est contemporain du développement de masse de la télévision, que l'on retrouve abondamment sur un certain nombre de sites sur Internet. Donc peut-être que... Mais je pense qu'en même temps, nous avons fait les choses de telle façon que ce soit accessible à tout le monde. On ne laisse pas le lecteur seul face à la visualisation des data. Il y a un propos alors sur donc 53 thèmes... 53 chapitres en fait, qui sont organisés en quatre grandes parties. Chaque partie est introduite, chaque thème est introduit par un texte général et chaque graphe est commenté de façon à ce que le lecteur puisse se repérer sur ce qu'il peut tirer du graphe. Mais on ne dit pas tout, évidemment. Et les graphes sont tellement riches que chacun peut se faire son opinion sur telle bataille. Ah ben voilà, par exemple, la bataille de Kursk sur le front de l'Est, qui est la bataille de bascule. La bataille où les Allemands perdent définitivement l'initiative, on s'aperçoit que si c'est une victoire stratégique soviétique, c'est une grave défaite tactique parce que leurs pertes sont 6 à 7 fois supérieures de celles des Allemands. En fait, les Allemands ne sont pas durablement affaiblis, mais ils perdent quelque chose d'essentiel à la guerre, qui est la capacité d'agir, l'initiative. Tout ça jaillit des datas. On a également les données sur le phénomène concentrationnaire, donc les déportés politiques. La Shoah fait l'objet d'un traitement à part. Les déportés politiques, ça a été très compliqué parce que les données sont dites assez difficiles d'accès, très controversées. Donc il a fallu appeler chaque directeur de mémorial en Allemagne pour obtenir les tout derniers chiffres. On a beaucoup travaillé autour du camp de Buchenwald, dont on a fait des représentations graphiques, notamment sur l'essaimage du camp qui fonctionne. Ça c'est un résultat de la visualisation. On s'aperçoit, quand on représente sur une carte l'ensemble des camps annexes de Buchenwald, on s'aperçoit qu'on a affaire à une multinationale. C'est traité comme un business. Les SS louent des déportés aux grandes entreprises allemandes, ce qui fait que vous avez 400 camps, petits camps qui sont auprès de 400 grandes entreprises allemandes. Volkswagen, Siemens, Messerschmitt, Henkel, Porsche, BMW, tous ont eu leur camp de concentration. Alors évidemment, quand le lecteur lit ça et qu'il voit la carte d'Allemagne couverte de camps, il se dit bah, les Allemands qui prétendent ne pas avoir su qu'il y avait un camp, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas une seule ville de plus de 20 000 habitants qui n'ait pas eu son camp de concentration. Donc ça aussi, c'est
le croisement des données avec la cartographie qui donne un résultat absolument spectaculaire.